syrah presque pure, pour aller sur des viandes assez goûteuses, du canard, des rognons de veau, avec ça c'est extraordinaire. Viande des gibiers bien sûr aussi, hein. Oui. Gâteau au chocolat, voilà. Ça c'est un très joli produit, 2006, voilà, médaillé d'or au concours agricole à Paris, et élu Bacchus d'or en Trécastin, meilleur Trécastin de l'année 2006. Voilà. Je pense que il y a deux façons de faire du vélo en course, et à ce moment-là, c'est une course, on ne se préoccupe que de l'arrivée, enfin du départ et de l'arrivée, il faut arriver premier. Et il y a après le temps que l'on se donne ou qu'on se prend pour regarder ce qu'il y a autour. Parce que les coureurs cyclistes, ils sont comme beaucoup trop de gens, ils vont d'hôtel en hôtel. Et l'intérêt d'avoir un village de départ, c'est justement de permettre, voire même d'obliger dans certains cas, les coureurs cyclistes à faire le tour un petit peu, leur notoriété, et ils la mettent au service de la région, de la commune qu'ils reçoivent. Je pense que ça fait partie de notre programme de réanimation de la ville et surtout de changer l'image de marque de la ville après les événements de cet été. Et je pense qu'il y a assez réussi, il y a le soleil, il n'y a pas de vent, il y a beaucoup de gens déjà à l'heure, 1h30 avant le départ. Je pense que c'est important pour les Tricastins de reconnaître la qualité de notre terroir. Et on a prouvé qu'avec ce marché en plus gastronomique, qui a gentiment accepté Assaut, puisque normalement on ne doit rien mettre autour du périmètre de départ, et grâce à ça, bien, les produits du terroir vont être reconnus au niveau français et surtout au niveau mondial. J'espère que les télévisions internationales qui sont présentes ce matin à Saint-Paul-Croix-Château vont parler de ce marché des terroirs et particulièrement de la truffe. C'est un moment très important, voire essentiel. Ça correspond tout à fait à la volonté politique du département d'essayer à la fois de développer le sport en termes d'image sur des manifestations qui sont quand même reconnues au niveau national comme celle du Paris-Nice. Et puis c'est le témoignage du soutien que le département apporte à tous ces comités sportifs et notamment pour ce qui est de cette manifestation. Tout le soutien que le département apporte au comité cycliste de la Drôme Ardèche. Paris-Nice, aujourd'hui, c'est le départ d'un long processus, c'est le départ d'un partenariat avec le cycliste national, avec le cycliste national. Il y aura le critérium au Dauphiné libéré, nous accueillerons un contre-la-montre, qui n'est pas rien, le mercredi 11 juin. Et puis, il y a l'étape du Tour de France que Montélimar et Aubenas accueillent. Donc, effectivement, l'année 2009, c'est l'année du vélo dans la Drôme. David Millard qui fait maillot jaune sur les routes du Tour de France. Olivier Bonner nous rejoint, le coureur de l'équipe B-Box. Oui, le directeur du Tour, fut la voix de la radio et de la télévision. En effet, avant d'être le directeur du Tour de France, il commentait le Tour pour France Télévisions et auparavant pour la 5 et pour Adrien Bouquet pour Sylvain, celui de vos applaudissements. Merci de le saluer encore. Vainqueur superbe de l'étape de Vichy l'autre jour où il a devancé donc les trois coureurs de l'équipe Rabobank. Au moment où nous retrouvons donc A priori, super étape, la montagne de Lure pour finir. Ici, magnifique accueil à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le soleil, une bagarre annoncée pour Paris, c'est une vraie fête populaire. On est très heureux d'être ici. Thank you.
sera sous vos applaudissements. Les coureurs, attention. Le 5, 4, 3, 2, 1, go. Alors les applaudissements maintenant. C'est votre manière de leur souhaiter bonne route. Bravo à nos champions et à toutes les personnes. Oui, la meilleure façon de se dire au revoir est de le faire en musique avec le numéro 1.